Et salut tout le monde, c'est Firebase et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de For a Safe World enregistrant différé comme le suivant parce que j'ai eu un bug de frappe, s'il a décidé comme ça là qu'il allait pas enregistrer son, c'est cool hein. Surtout cet épisode qui est très important vu qu'on va terminer ce temple. Donc voilà, donc on était à la note 12, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Donc du coup là je vais vous lire la note, du coup je vais vous la lire maintenant. Vous avez beau réfléchir plusieurs fois, vous dire que c'est un plan parfait, il reste légèrement foireux. Briser la verrière et sauter à l'intérieur, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Mais bon, ça, fallait y avoir pensé avant d'escalader cette tour. Allez, courage, il vous faut cette clé. Donc là, j'allais vous la lire, en fait, je me suis un peu ratée, mais c'est pas grave. Yeah. Donc, on attend que je dise dans la réalité des choses et tout le bazar. Alors, mon petit, as-tu d'autres choses à nous dire? Hop là, je retiens un peu. Donc là, j'étais en train de vous la lire sans mot. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé, mais c'est Fraps. Et je peux pas retourner. Donc là, je crois que. Voilà. Donc c'est parti, on va faire exploser. Allez, le. C'est parti. Bim! J'ai tout détruit. Donc, je vous rappelle que je ne peux rien casser, du coup, je n'ai pas le droit de prendre des. Etc. etc. Donc, voilà. Donc, on arrive dans l'endroit où on devait aller. Et là, il y a du diamant, c'est cool. C'est trop tentant. Trop tentant. Donc. Note 13. Donc. Alors que vous poussez la porte de la chambre royale, vous apercevez le roi écroulé sur le sol, une dague dans le bras. Vous vous approchez de lui, il vous souffle à l'oreille. Il n'est pas encore trop tard, il reste encore de l'espoir, et vous êtes ce dernier. C'est alors que vous comprenez les explosions. Le roi blessé, vous apercevez à travers le trou dans le mur un bateau s'en allant, dégainez alors votre arc et décrochez une flèche, mais vous loupez la cible. Vous en décrochez une autre. Prenez votre temps, respirez lentement et décochez cette flèche. Celle-ci atteint une des hélices du vaisseau et par effet de coupe percute l'autre. Les hélices s'arrêtent, forçant le moteur à exploser. Le bateau part s'écraser en mer. Vous vous apprêtez à plonger, mais le roi vous stoppe. L'artefact attendra. Alors que vous vous apprêtez à contester, il vous invite à lui parler de votre quête. Vous demande ensuite de le raccompagner à son. C'est un peu bizarre, hein. Je veux pas. Cassé, mais le mec, quand même, il est blessé. Et puis, allez, on va à Montreuil, on va discuter. Ok, d'accord, pas de problème. Comme tu veux. Donc, là, je crois que je vous raconte encore. Bon, c'était très petit à ce moment-là parce que je peux y jouer, mais bon. Donc, voilà. Donc, on a une table d'enchant, on va pas peut-être la s'enchanter. Non, là, c'est le bateau. C'est la chambre du roi. On s'enchante. Et là, il y a un truc derrière la table. Oh. Donc, on va s'enchanter vite fait ce qu'on avait. Non, on peut pas enchanter. Oui, on va s'enchanter après. Parce qu'on aura d'autres choses. Donc, Creeper. Creepy. Ça aurait qu'il ne casse rien, les petits Creepy. Non, mais c'est pas à peine de chercher, monsieur. Oui, il y a un creepy. Et alors? T'es tombé. Die. On charge. Bon, on a de l'émeraude. On va peut-être le casser, monsieur, non? C'est la sortie. Et là, j'entends un zombard, je sais pas d'où il vient. Alors là, il y aura un petit parcours de jump qui n'est pas pour tout de suite. Donc. Bon, on va d'abord ouvrir. Là, je vais faire une grosse gaffe dans quelques secondes.
Bon, on récupère. Voilà. Je mets le feu au reste. Caca Bouddha. Ça peut. Débile ce que j'ai fait. Pourquoi je fais clic droit? Voilà. Bon. Faudrait abandonner, monsieur. Mais là, c'est trop tard. Et ça va arriver ce qu'on devait trouver, mais c'est pas grave. J'aurais pas dû mettre des laines. Bim! Truc qui s'est enlevé. Bon. La note 14. Après l'avoir accompagné à son trône, Laura vous a dit qu'un mécanisme pour ouvrir un compartiment secret sous un tableau dans sa chambre. Malheureusement, il n'est pas plus assez fort pour aller l'activer lui-même. Il faut donc que vous escaladiez la salle du trône pour détruire le bloc qui sert de verrou. Il se situe au plafond de la salle. Pour l'atteindre, il est nécessaire de suivre une série de sauts précis. Avant, les plus courageux d'Elysia tenter leur chance pour récupérer ce trésor et prouver leur force et leur bravoure au cours de cérémonie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Laura maintient que le trésor que vous trouverez suite à cela est crucial. C'est une technologie qui vous donnera une faculté très importante pour la suite. Donc là, il y avait un truc en diams. On va pas tarder à aller en chante. Voilà. Donc le coffre, bien entendu, là où il y a mon pointeur, là à peu près, c'est le trésor qu'on a fait découvrir à cause des flammes. Bah, bien entendu, vous pensez bien que je ne vais pas cheater, du coup. Je vais devoir faire les sauts. Bonjour, j'aimerais un chante. Voilà, ça c'est le coffre qu'on aurait dû découvrir. Niveau 6, protection. Bon, là, c'est le feu qui nous déclare la guerre. Tombe. Allez. Merci. Bon, là, ça a brûlé. Donc du coup là je vais faire le jump. On fait le petit jump. Non, je vais beaucoup me rater. Allez mon enfant, maintenant on essaye de le faire. Hop. Ici. Après, faut aller là. Hop là. Bien entendu, il faut passer par là, mais je ne sais pas faire, bien entendu. Bon, ça va durer un petit temps, du coup, on va discuter. Question micro, là. Je sais pas si ça sera sorti, le truc avec Xios. Mais sinon, je vous le dis maintenant, je vais bientôt changer. Du coup, ça sera plus ce truc merdique là, qui... un truc bizarre. Vous savez, ça sera un truc un peu plus pro. Déjà, il y aura un filtre en plus. Du coup, ouais. Ça sera peut-être mieux d'avoir un anti pop-up, etc. Bon, pendant que je me rate, hein, bien entendu. Et c'est en rapport à notre petite jambe. On a mangé trop de Nutella quand on était petit. Et je fais des placements de produits alors. Et c'est ce qui nous a alourdi, on peut pas faire trop de jump. Voilà. Yeah. Là. Il faut aller là-bas, oui, monsieur. Voilà. Allez, checkpoint. Hop là. Donc. Allez. Allez. Et attendez, je ne sais pas parler au passé. Du coup, on va passer 2 heures à faire ça. Parce que les Gunpowder vont être la plus grande histoire de ma vie. Allez, on ressort. Là. Allez. Ah,
toujours pas le bon côté. Et ça commence à brûler le reste. Faudrait se dépêcher si tu veux ton truc. Là, excusez-moi, je prends mes mouchoirs. Du coup, je fais une petite pause au niveau du son. Donc voilà, j'ai fini, hein. C'était très rapide, il n'y a pas eu d'ellipse ni rien. Donc là, j'ai réussi, enfin. Il va y avoir un truc avec le SMIC qui va être un peu bien l'argent. Oui, monsieur, c'était l'argent, le SMIC. Le SMIC. Comme on dit chez nous. SMIC, le proverbe chinois. Allez. Allez, ça brûle. Ça fait un challenge de plus. Et là, je vais rager en fait. Je vous explique. Ah si, je le fais une dernière fois. D'accord. Est-ce que c'est à la fin de cet épisode? Je ne crois pas. Ce sera au prochain où je vous ferai un truc qui sera à moitié différé, à moitié pas différé. Ce qui va vous dire que je suis parti dans la mauvaise direction pour le dernier temple. Du coup, c'est un peu du caca. Du coup, je vous en profite pour le faire en direct. Ça fait de l'eau, hein. On a triché, mais c'est pas grave. Et bon, là, c'est la première fois qu'on triche sur cette map, enfin, je crois. Et on a foutu le feu au temple, on est méchant avec eux, voilà. C'est des PNJ. Là, je pense bien que je ne vais pas passer, mais bien entendu, j'ai pas sauté au bon endroit. Voilà, je dis fuck. Là, je vais aller chercher le coffre. D'autres fois, ça nous fait un petit jump. C'est le feu! Bien entendu, je ne suis pas passé du bon côté, les enfants. Eh oui. Du coup, je vais faire tout de tout. Oh. Il y a du boulot. Allez. Tu dois enchanter. Ah, donc on avait ça, ce qui est très intéressant. Et ça, surtout, c'est ça le truc qui va nous aider. Pourquoi j'ai pris des barrières? Voilà, je reviens tout de suite parce que j'ai un petit truc à aller. À tout de suite. On me dérange encore, c'est pas très intelligent. Donc, je vous dirai ce qu'on devait faire. Du coup, là, il faut ressortir, monsieur. Alors là, en fait, voilà, je triche un peu parce qu'il y a une autre 15 qui nous dit un petit truc. Je vous la lirai quand on y sera. Hein. Mais en fait, il fallait capter aussi qu'il fallait aller dans le là-dedans. Il faut remonter là-haut. Je pense que je vais en profiter pour un shot. Enfin bon. En fait, j'étais en train de lire, donc je suis concentré. Monsieur Folletonnet. Allez. Il faut aller à l'épave. Bien entendu, il fallait utiliser ce petit truc. Tu vas l'enchanter. Monsieur, on l'a bien entendu, je dois faire tout le tour.
vais vite faire un changement de plastron, je crois. Oui, je l'enchante. Là, on enchante notre petit plastron en diams. Blast protection, c'est pas top, mais ça peut toujours servir, c'est mieux que rien. Allez, c'est parti. L'épave est là. On y va. Et on va la vaincre. On avance. Donc je voulais la note 15 qui devait être là. Vous avez un casque de plongée et une épave de navire de pirate. Il ne vous reste donc plus qu'à plonger et prendre une bonne inspiration pour aller récupérer cette troisième clé. Et c'est pas juste que ce casque marche bien. Ouais, j'avoue. C'est respiration 3. Donc là, on n'y voit rien, mais c'est normal, ça va pas tarder à arriver, tout, hein. C'est foutu de notre gueule, hein, c'est juste un petit truc là, cause à la qui. Voilà. Et surtout aller en dessous. Donc là, il faut bien entendu aller là où il y a les coffres. Et puis il y aura un coffre, pas mal. Non, il y aura même pas de coffre. Allez. Voilà, là, c'est bien. Voilà. Donc on a notre cher bloc. Avec notre chère clé. Voilà, on a la petite clé. On a la clé. On a la clé. Je prépare l'autre note à moins qu'on m'a dit ou pas. Ouais, donc chapitre complète. Alors que vous reprenez votre respiration dans cet environnement sombre et humide qui est une carcasse de bateau, vous récupérez la troisième clé. Qu'une et vous pourrez venger votre village. Mais il vous manque un indice. Les coordonnées de cette dernière doivent reposer quelque part dans votre village. Essayez de fouiller un peu. Votre nouvel artefact doit sûrement pouvoir vous aider à le trouver. C'est-à-dire le casque. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Allez, on remonte. Et là, est-ce que ça va être la petite partie gênante ou pas? Ben, ce que je vous propose, parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre, c'est qu'on s'arrête ici. Voilà, parce que j'ai envie. Et, non, c'est parce que j'ai envie, mais c'est que ça va être dérangeant pour vous, parce qu'on va rien faire d'autre que de remonter là-haut pour chercher notre stuff. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la map vous plaît ou autre chose, voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager à vos amis la vidéo. Et sur ce, bye bye tout le monde. Oh, je dirai pas suite.